L'impatience, comme pour nous, hein, on est pressé de renouer avec la victoire. Après, on peut comprendre la déception, mais malgré tout, au bout d'un moment, dans des situations comme ça, les supporters font aussi un peu la différence, savoir s'ils sont derrière nous, avec nous, pour nous accompagner. On sait que c'est pas plaisant pour le premier, pour le président, pour le club, pour le staff, tous ceux qui nous entourent quand il y a des défaites. Mais les supporters aussi se doivent d'être là présents avec nous pour nous pousser justement à aller chercher ces victoires. Au niveau de ce que le coach demande, tout est clair, on sait ce qu'on a à faire. Maintenant, c'est comme ça. Le foot, il y a des années où ça nous sourit, d'autres années, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, même si on ne se cache pas derrière ça, on sait que toujours une descente de Ligue 1 en Ligue 2, c'est toujours difficile, on va dire. Maintenant, voilà, c'est comme on va dire, c'est un nouveau départ après cette trêve. Donc maintenant, on va tout faire pour repartir de l'avant et comme il se faut. Le club, entre guillemets, n'est pas à sa place au niveau de ce classement-là. Et on a conscience avec l'effectif et la qualité du groupe, parce que malgré tout, on a un groupe vraiment de qualité. Ça va être à nous de rentrer en tant que guerrier, déjà les 11 premiers guerriers, et ensuite le reste qui va suivre. Donc ça va passer par là, mais parfois au bout d'un moment, on a plus trop besoin de parler quand c'est comme ça. Il faut seulement agir, et en agissant, c'est déjà demain, dans les premiers duels, répondre présent et relever les manches, et pendant 95 minutes, être présent partout, sur tous les domaines.